Dans cette capsule, la joaillière et chargée de cours à l'École de joaillerie de Québec, Renée Melançon, nous montre comment sertir une pierre. Alors bonjour, aujourd'hui je vous montre le sertissage à griffes. On a un 6 griffes pour l'exercice, donc c'est pas plus compliqué avec un 4 griffes, il y a juste moins de griffes. Donc on commence avec un petit peu de théorie, je vous montre ça au tableau, puis après ça on va regarder avec la démonstration. Donc, le petit truc pour le sertissage à griffes, c'est tout se passe avec la fraise. Donc, on prend une fraise Art. Moi, je vous recommande une petite fraise sur laquelle les dents sont très serrées. Ça va mieux. Il y a plus de dents, mais ça va aller plus en douceur. On va y aller avec un sertissage comme ça. Donc, il est des deux côtés, comme ça, sur une tige qui est soudée sur un jonc, par exemple. Donc, vous avez votre griffe ici. Qu'est-ce qui est important? C'est d'aligner le haut de la fraise ici, la base du manche, avec le haut de la griffe. Ça nous donne automatiquement la bonne hauteur pour aller faire l'encoche pour notre sertissage. Donc, en fraisant, on va aller vraiment faire le fraisage de la forme de la pierre. Si la pierre est bien taillée, la pierre va rentrer parfaitement dans l'encoche. Il faut étudier notre pierre. Si on a une pierre naturelle qui est taillée naturellement à la main, mais ça se peut que la taille de la pierre ne soit pas parfaite. On pourra par la suite venir avec une petite fraise cylindrique, aller faire une petite encoche un peu plus arrondie pour recevoir, par exemple, un feuilletis plus large. Quand je vous parle d'un feuilletis, on a une pierre comme ça, facettée, ronde, on va y aller avec du classique. Elle a des petites facettes comme ça ici. Et le feuilletis, c'est la petite pièce, la petite facette ici, tout le tour. On appelle ça le rondisse également. Donc, le feuilletis, des fois, il n'est pas tout à fait égal. Il peut partir plus petit d'un côté, puis s'élargir ici. Il va être plus large. Des fois, ça peut arriver. Une taille qui n'est pas parfaite. Donc, à ce moment-là, ici, vu que c'est plus large, on va aller faire avec une petite fraise cylindrique une encoche un petit peu plus grosse, puis ça va régler notre problème. Donc, c'est bien d'étudier notre pierre avant de commencer le fraisage de notre chaton. Donc, on va procéder au sertissage. Ce que je vous expliquais au tableau, c'est les petites dents et les grosses dents. Donc, on voit très bien ici les petites dents serrées, toutes plus délicates, à comparaison d'une fraise qui a les dents un petit peu plus larges. Donc, elle va avoir plus de mordant, puis ça va être plus difficile de contrôler quand on va fraiser. On risque plus de passer autour de la griffe. Donc, moi, je préfère les petites dents plus délicates. Ça va mieux. Donc, c'est les deux fraises que j'ai. Donc, je vais utiliser les deux fraises. Je commence toujours avec une fraise plus petite pour bien rentrer à l'intérieur de mon chaton. Puis par la suite, je vais aller prendre une fraise qui est du même diamètre que la pierre pour aller vraiment faire la place, la vraie place de la pierre. Donc, je commence avec une fraise légèrement plus petite. Si j'ai une pierre de 4 mm, ce que j'ai aujourd'hui, je peux aller chercher une fraise de 3 mm et demi pour faire mon début de fraisage. Je trouve que ça va mieux que d'aller directement avec la grosse. Donc, évidemment, on a choisi un chaton en fonction de la grosseur de la pierre. Vos fournisseurs, ils vous établissent des normes là, de telle grosseur de pierre à telle grosseur de pierre, ça prend tel chaton. Donc, à vérifier avec votre fournisseur. Donc, moi, je m'installe pour vraiment avoir le contrôle sur ma fraise. Donc, je tiens bien mon manche, puis je vais y aller plus de côté pour aller faire mes encoches. Je trouve que je vois bien le haut de ma fraise versus le haut de ma dent, de ma griffe. Donc, on va aller commencer le fraisage à l'intérieur du chaton, doucement. Je vais commencer à fraiser. Je vais sentir toutes mes griffes, puis je vais faire le tour tranquillement de mon chaton. Je vais aller faire une petite marque. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis allée faire le tour à l'intérieur comme ça. J'ai laissé une petite marque un peu partout sur mes griffes. Je vais aller prononcer les marques que je trouve que ça a moins marqué. Je n'étais peut-être pas dans
bon sens. Je vais aller faire une petite marque partout, tout en essayant de garder le haut de ma fraise avec le haut de ma griffe. Donc, j'ai une petite encoche partout que j'ai débuté avec une fraise beaucoup plus petite que le diamètre de ma pierre. Je vais aller prendre le diamètre de ma pierre exactement avec l'autre fraise. Puis là, je vais aller vraiment l'insérer à l'intérieur exactement dans les encoches que je viens de faire avec la plus petite. Mais là, on voit que ça rentre plus serré. Là. C'est vraiment le chaton qui va avec la pierre. Donc, j'y vais. Attends un petit peu. C'est ça, là. Elle a des grosses dents, hein? Elle pogne plus. Je vais retourner avec ma fraise plus petite. Je vais faire mes encoches un petit peu plus grosses. Puis, je vais aller finaliser avec la fraise du bon diamètre. Donc, je vais aller refaire les coches un petit peu plus. Je vais redresser la griffe qui a crochi avec la fraise, avec les grosses dents. Okay. Donc, un petit peu plus profond pour nous aider à cause de la fraise qui a des grosses dents. Comme ça, je vais tourner. Donc, quand on fraise, on peut aller fraiser facilement le 2/3 de la profondeur. Donc, on peut aller fraiser assez profond. Il reste ici à peu près 1/3 de l'épaisseur de la griffe. Donc, on a vraiment une bonne encoche. C'est vraiment très solide. OK. Donc là, je vais aller faire ma tentative avec la grandeur exacte. Si jamais ça coince vraiment beaucoup, là j'ai fait mon encoche assez prononcée, fait que je devrais être correct. Si la fraise a de la misère à rentrer, on peut aller ouvrir légèrement les griffes là, pour nous aider. Fait que là ici, j'ai vraiment la grosseur de la pierre que je vais aller chercher. La forme de la pierre exactement. Donc, on voit les encoches dans le sertissage. Ici, les encoches, là. Je suis à peu près à la moitié de la griffe. Donc, on va aller. Il y a plusieurs façons de sertir la pierre. Moi, j'ai une pierre synthétique. Dans la pierre naturelle, j'aime moins ça faire ça, mais avec une pierre synthétique, on peut tout simplement mettre le chaton à l'envers, comme ça, à l'inverse, puis faire cliquer la pierre. OK? Fait qu'elle va rentrer bien serrée dans le chaton. Pierre naturelle, il faut faire attention. On peut faire un éclat sur notre pierre, donc on essaie peut-être d'éviter. On peut aller ouvrir légèrement les griffes, insérer notre pierre, puis faire notre sertissage à ce moment-là. Donc, on a entendu un beau petit clic avec notre pierre synthétique. Fait qu'elle est rentrée dans ses encoches, il reste à sertir. Donc, moi, je sertis avec mes pinces plates, tout simplement. C'est pas trop complexe, pas besoin d'outillage spécifique. Il y en a qui vont se servir d'une masse à sertir, que je n'ai pas avec moi, mais c'est un genre de petit poinçon avec une encoche de la forme de la griffe, puis on va pousser tout simplement. Mais avec les pinces plates pointues, on fait quand même un beau travail. Donc, j'installe ma pince sous la griffe d'un côté et sur le dessus de l'autre. Donc, je vais aller sertir avec la partie du dessus. Donc, je vais aller refermer ma griffe tout simplement sur ma pierre, puis je vais à l'opposé. Si j'en fais une ici, je vais aller faire l'autre à l'opposé tout de suite. Donc, je suis vraiment... J'ai deux griffes de sertie ici, là, c'est ces deux griffes-là ici. Celle-là, celle-là. Ils sont refermés vraiment sur la pierre. Fait qu'ensuite, je vais aller faire les deux autres qui sont une en face de l'autre, puis je vais terminer avec l'autre du haut. Donc, on y va toujours en paire pour être le plus égal possible dans notre sertissage. Donc, je vais aller faire l'autre paire. Je referme un petit peu. Je descends ma pince comme ça. Je referme la griffe sur la pierre.
l'autre griffe et voilà, je referme mon petit chaton tout droit, je place ma pince, je referme la griffe, je referme la griffe et voilà, ça a l'air égal. On va aller tester avec nos pinces si la pierre bouge. Elle bouge encore un petit peu, donc on va refermer. On va continuer à travailler en équipe. Donc le petit duo comme ça. On a trois duos, c'est un six griffes. Donc on referme nos griffes une à la fois. Aussitôt que ça ne bouge plus, c'est certi. L'important, c'est que la pierre ne bouge plus. Donc, on vérifie avec les petites pinces. Ça ne bouge plus. Donc, la pierre ne tourne pas. C'est le seul moyen de vérifier. On prend les pinces et on essaie de tourner la pierre. Quand ça ne tourne pas, elle est sortie. Il nous reste à faire la finition. Donc, pour la finition, j'aime bien un beau petit fini perlé. Donc, on pourrait prendre un perloir pour aller arrondir un petit peu les bouts de griffes. Il y a nos super fraises cloches. Donc, on va aller prendre une fraise cloche qui s'emboîte bien sur nos griffes. Un petit peu grand. Je vais aller en chercher une autre un petit peu plus petite. Comme ça ici. Donc, on peut y aller à la main. Fait qu'à ce moment-là, à la main, on s'assure qu'on ne va pas fraiser sur la pierre. Des fois, il faut faire attention. Ça peut faire partir aussi des petits éclats sur les petits aléfis sur le dessus de la table, là, de la pierre. Donc, on est prudent quand même avec les fraises pour ne pas abîmer notre pierre. Donc, je vais aller fraiser le bout des griffes juste pour arrondir, pour aller faire un petit fini un peu plus arrondi, moins accrochant. Donc, c'est important que ce ne soit pas accrochant. Parce que si c'est accrochant, ben on risque de faire lever une griffe dans les tissus, les foulards, les manteaux, les vêtements. Donc, à faire attention. Donc, on va aller fraiser délicatement nos griffes pour donner un léger arrondi. Donc, on a terminé de fraiser nos griffes. On va aller terminer notre finition au polissage. Donc, ça va terminer d'arrondir légèrement. Et le test ultime, c'est vraiment avec un tissu. On va aller tester nos griffes pour être certaine que ça tire pas des fils dans les tissus. Donc, un petit tissu laineux, c'est l'idéal. C'est eux autres qu'on pogne le plus de griffes dans ces tissus-là. Donc, on va aller tester avec un tissu moins serré. Donc, c'est ça. Sertissage, j'irai juste la petite finition avec des brossettes. On va aller au polissage, légèrement arrondir, puis il nous reste en masse de griffes à user. Voilà qui complète ce tutoriel sur le sertissage d'une pierre en joaillerie. Merci à René Melançon, merci à l'École de joaillerie de Québec, de même qu'au Cégep Limoilou et au CFCMA pour la réalisation de cette vidéo.